Le chapitre. T'as ton nouveau téléphone ? Oui. D'ailleurs, ça a laissé tomber un peu. T'es collé. Bah lundi c'était pour une bonne parce que c'était pas perdu. Ok. Ça va, je me suis pas fait de blague parce que c'est marrant. Ouais, elle m'a dit faut bien changer, c'était mon anniversaire, j'étais plus sortie, mais pas de problème. Mais du coup t'es rentré comment? Ah ouais. Heureusement que t'es pas venu à pied. Hein. Bah une fois j'ai fait deux parcelles. Jusqu'à demain il y a à pied. Pourquoi? Je peux faire de ici jusqu'à Gerland après aussi. Ouais mais ça va être long. Ouais mais tu parles. Ça fait beaucoup là, non? Non, c'est bon, ça fait tout le temps qu'on se connaît. Oui, je sais. Ah ouais, nos parents, ils se connaissent souvent. Mais genre, ils se parlent, ils se comprennent quand est-ce que la mère est bien touchée, etc. Chaque fois qu'on va chez lui, c'est le bordel. Enfin, moi, je suis là. Ouais. Ah oui, à un moment, il y a une dame, elle nous a gueulé dessus. En mode, parce qu'on a insulté ses chiens, genre, mais on parlait entre nous. On les a pas insultés, mais on a
Oh oui. Vous avez pas vu? Non, j'ai pas vu. La pauvre. Pardon, vous avez trompé. Du coup, tu sais, elles arrêtent de donner des chats. Et je me rappelle à la fin, t'as dit arrête de nous. Hé, Evan. T'as dit à la fin, arrête de nous casser les couilles, on parlait juste entre nous. T'avais dit ça. Ouais. Et après, je sais pas, tu t'es dit, ferme ta gueule. Eh ben, tu vas avoir une serviette d'un tour en tout cas, parce que non. Wow. Oh, dommage que je n'ai pas ma caméra. Mais lui, il s'en fout. Il faut pas la caméra. Mais non, mais elle n'était pas sortie, genre elle gueulait juste. Ouais, vous avez dit quoi? Lui derrière, il était mort de rire. Je dirais ta gueule, il se casse. Je reste pas plus parce que sinon ça. Non, c'est pas tous les jours des choses comme ça qui nous arrivent. Hein? C'est pas tous les jours que ça nous arrive, ça. Ah non. Toi, tu t'arrives pas à faire des relevés quand t'es tout seul? Bah oui. Quand je suis là, par contre, j'ai relevé, j'en ai pas. Ou quand c'est avec Anan? Genre, on fait du vélo et tout, et toi, il veut prendre un trottoir. Oh. Bon, bah, yes, hein, on est dans les bouchons. C'est rien, quoi. L'autre fois, on était en scooter avec mon pote, j'avais le scooter. Il se prend un trottoir. Il y avait ça, mais genre en pied, tu vois, jusqu'à l'entrée de fenêtre. On arrive là, et avant, il devait être en vue. Et donc, c'est bien scooter, on s'en fout, pas. On est arrivé, on est passé tout ça. Ah non, mais non, mais il voulait pas. Mais non, c'est bien chanté. Ok. Ouh, tu fais un gros feu comme ça, puis tu sais, tu pars. Mais ils vont te rattraper. Non. Ils ont un camion. Ah, on a une voiture. Bon, c'est pas moi qui conduis, mais. Mais non, tu ne pars pas, tu conduis. Mon père il veut s'acheter une 300 litres. Ah, bon, bah ouais, mais mon père il veut prendre un gros moteur costaud. Ah bon? Ah skip! Je sais pas. Ah j'ai compris pas, c'est plus, j'ai dit quoi? J'ai pris pas douche. Heureusement que c'est pas à cause de ça. Hein. Le pauvre. Alors là, lui, il est saoulé. Enfin, mon frère, c'est pareil, il y avait un poids lourd.
ils étaient là et il a doublé comme moi. Vas-y, non, je vais pas me taper. Ah oui, bah oui. Ah, bah y'a. Oh, y'a un accident. Ah oui, ah oui. Oh putain, il veut rentrer dans le cul. Oh, en plus, c'est une Mercedes, c'est un camion location luxe, il n'y a pas de chance. Bon, alors là, il va payer une sacrée caution. Ah, bah la caution, elle est 1200 euros. Dans un véhicule 7 km, restez à droite en direction de descendre à toi et dis je. Tu ouvres la porte, tu fais. Eh bien, ta caution, elle va descendre, hein. Et après, tu pars. Chapelle, Nord, Gevrey et Courcelles. Ça marche? C'est par là que vous passez d'habitude? Des fois on passe par selon la rue, mais selon la chapelle c'est la même chose. Ouais. Parce qu'on peut tourner à gauche juste avant selon la rue, non? Pour aller à selon la chapelle, non? Ouais, bah après je me repérerai sur le chemin. Après, ouais. Après vous pouvez prendre Gevrey aussi. Gevrey. Après il y a quoi que Gevrey Boindon, je crois. Ouais. Oh, je préfère. Saint-Philibert, Boindon. Ouais. Quand vous arrivez, ça bouge, je peux pousser ça bouge. Mais c'est quoi le plus court? Ouais, parce que, pareil. Tant que je suis chez moi, c'est. Ouais. Bon, on va prendre selon la chapelle alors. Je connais un petit peu, enfin un petit peu ce qu'il y a. Ouais. Par contre, là où tu me dis, là, je comprends. Moi, j'ai compris. Ah bon? Ah ouais? Les habitants de là-bas? D'accord. Là, ça fait content. Quand même pas, mais ça va faire au moins plus de temps. Ouais, d'accord. C'est là-bas qu'il y a une file de quartier. Ouais, à côté à Noiron. Ah oui, c'est Noiron. D'accord, tu es déjà allé, non? Ouais, c'est bon. Je peux pas y aller, je préfère aller comme ça. Qu'est-ce que. À l'abri? Oui, à l'abri.
Sur la piste. Sur la rue. Ouais. Et toi, Gerland, c'est à côté de Saint-Jean, là ? Ouais. Ouais, ok. Commence pas à jouer avec ton siège. Au. On a vu un peu le soleil tout à l'heure. Ouais. Ça n'a pas duré longtemps. Ça va, il pleut qu'en fin d'après-midi. Ouais. Ouais. J'espère que ça va bientôt s'arrêter. Je vois que la nature a besoin d'eau. Hein. Ouais, bah ouais, cet été là c'était vraiment le désert total. Ah oui. C'était même encore pire que l'année dernière. Non, quand même pas. Pignon, et le jour, le jour même, l'après-midi, il faisait 50 à Perpignan. 50 degrés. À Perpignan. Hein. C'était le seul jour où il faisait chaud. Hein. Ah ouais. Sinon, on faisait 40, 46. Ah ouais, ah ouais. Par contre, tous les jours, on allait à la plage. Ah ouais. Bah, par contre, là-bas, pour bronzer, ça fait. Je mets 10 minutes. Hein. J'étais comme ça, j'étais tout noir après. Ouais. Ah, j'y suis allé il y a 4 ans. À Perpignan, ouais. J'ai fait Perpignan, Collioure. Ouais, bah nous, on a fait Collioure. Collioure, c'est magnifique. Nous, on a fait ça. Ouais. Et la dernière, le dernier patelin français, c'est Cerbère, non ? C'est pas ça ? Cerbère. Ah, je m'en rappelle. Ouais. On a été à Rodez. On a été à la Jonquière, on a été aussi à Pertus. Ouais. Oh, le Pertus, c'est là où il y a le commerce. Ils sont pas chers. Ouais, ouais, franchement, ouais, pas, il y a juste la douane. Ah oui, oui. On va aller vers la Côte d'Azur, les inondations vers Nice. Ouais, mais eux, ils ont pas d'inondations. Ça dépend. Des fois, dans les champs, quand ça fait des gros creux. Ouais. Votre concessionnaire Nudo Automobile. C'est horrible le soir. Horrible. Tu vois ta maison partir dans les eaux. J'aime bien la piscine. Encore en France. On n'a pas trop de pluie. On apprenait. C'était quand? On l'apprenait à 7h ou 7h15. Elle était là à 25. Ah, c'était l'élève. Et une fois, il m'a dit si t'es pas là à l'heure, je te laisse chez toi. Ah bah oui. Et ben on est arrivé, elle était pas là. Il a dit, allez, c'est bon, moi j'attendrai pas une demi-heure. Hein, tu vois, je sais que c'est. Ils ont appelé taxi bus et tout. Et il dit, ouais, pourquoi vous avez pas entendu la fille? Mais mon père, mais qui est-ce que c'est? Ouais, c'est l'idée. Chauffage et climatisation. Oui, c'est mon père, il a fini la voiture en train de travail. Il a dit, attends. Moi aussi, parce que c'était une BM. J'avais grandi avec la BM. Ah oui. Voilà, chaque fois qu'il venait, il mettait première. Puis comme il est en troisième, et quand tu fais en première, ça bloque les pneus. Il le mettait deuxième, voilà, elle partait. C'est une habitude à gauche. Ouais, nickel. Ouais, si, les 7 heures, pour dire que ça. Ouais, ça devrait le faire. Normalement, je crois. Vous allez bien rouler. Ouais. Ok. Bon, bah c'est cool. Bah, à bientôt, bonne soirée. Hein. Peut-être à bientôt. Ouais. Tu veux monter devant, non ? Comme non. Tu veux. Ok. Allez, salut, ciao. Salut. Là, je dois aller direction. De rien. C'est la deuxième maison. Ok. Ici alors ? Ouais, c'est là. C'est l'Empire là ? Ouais. Ok.